Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Undertale. Je sais, j'ai parlé très vite. On est parti, nous sommes toujours en stream. En fait, parce qu'on sera toujours en stream pour cette série, donc je vais arrêter de vous le dire. Et là on a vaincu Papyrus, le frère de Sans, et on va voir ce qui va se passer. Oh, donc tu es revenu pour avoir un rencard avec moi. Tu devais être vraiment sérieux à ce propos. Je dois t'amener à un endroit vraiment spécial. Un endroit où j'aime passer beaucoup de temps. Ma maison! Super. Il y a quoi là-haut? Oh, c'est mon jeu télé favori. It say stay tuned for a new program MTT. Quoi? D'habitude c'est meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. Donc en fait c'est erreur technique, on n'arrive pas à recevoir. Ceci est le familier caillou de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'hab, je suis obligé de prendre les responsabilités. Le caillou est recouvert de paillettes. Vous savez les trucs de cuisine. Mon abdom. Et celui Wixiv. J'espère que tu es bien. Bienvenue à Scénic. Ma maison. J'ai envie de faire cette blague. Écale-toi et prends ton temps. C'est ma chambre. Ça finit de regarder autour, on pourrait aller dedans et faire peu importe ce que font des gens quand ils sont en rencard. Je vais violer mon enfance là. Est-ce que je vais me faire violer par un squelette? Ah ah! T'es intéressé par mon musée de la nourriture? S'il te plaît. Péruse. Spaghetti. Bag of chips. Ok, d'accord. Impressionné, j'ai augmenté la hauteur de mon évier. Maintenant, je peux mettre plus de doses dedans. Y'en a plus. What? Chope ce chiot. Malédiction. Sans. Arrête de pestiférer ma vie avec tes musiques d'accident. Ah, il a préparé une quiche apparemment son frère. Bon d'accord. T'inquiète pas, c'est un jeu tout public. Pourquoi est-ce que je m'attendais à une chambre comme ça? Hey, ça c'est toutes les attaques que je disais sur toi. Super souvenir, pas vrai? On dirait que ça s'est passé seulement hier. Même si basiquement ça vient juste d'arriver. L'internet, je suis plutôt populaire là-bas. Je suis pas loin de nombre à deux. De nombre à deux chiffres de followers. Bien entendu. La fame a toujours une contrepartie. Un troll jaloux est en train d'assiéger ma personnalité en ligne. Toujours en train de m'envoyer des punchlines un peu, des mauvaises punchlines avec une police un peu gouffante. Sans quoi.
Ce livre est un de mes favoris. Construction de puzzle avancé pour des esprits critiques. Ajoute à côté, c'est aussi un de mes favoris. Peekaboo avec un lapin mignon, doux, je sais pas. Merde, j'ai skippé tapis. Est-ce que ce drapeau est pas cool? Undine l'a trouvé à la baie. Je pense que je pense que ça vient du monde des humains. Maintenant, je sais ce que tu penses. Pourquoi est-ce qu'un drapeau humain a un squelette trop cool dessus? Bien, ben j'ai une théorie. Je pense que les humains. Descendent des squelettes. Pun, c'est un jeu de mots. Ah, my bad. Ah oui, mes figurines articulées. Une super référence pour mes scénarios de bataille théorique. Comment j'en ai autant? Eh bien, ils viennent d'une personne assez sympathique qui adore surprendre les gens. Salut Go Player, je suis bien. Yeah, c'est ça. Santa. Non, Père Noël quoi. C'est mon lit. Si jamais un jour je vais à la surface, j'aimerais bien rouler long d'une longue autoroute. Avec le vent dans mes cheveux. Kappa. Le soleil sur sa peau. Kappa. Bien entendu, c'est juste un rêve. Il n'y a pas de squelette dans mon placard, à part moi des fois. Alors, si tu as vu quoi que ce soit. Ah, non, si tu as tout vu, pardon. Everything, excuse-moi. Est-ce que tu veux commencer le rencard? Oui. Ok. Début du. Rencard? Nous y sommes, à notre rencard. J'ai en fait jamais fait ça avant. Mais ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas épeler, préparer avec plus sans beaucoup de lettres viennent de mon prénom. J'ai chouré un livre de règles de rancard officiel à la librairie. Nous sommes prêts pour avoir un super moment. Je galère, hein. Voyons voir. Première étape, presse si. For dating HUD. Wow! Je me sens si informé! Ça veut rien dire. Je passe tout à fait pour l'étape 2. Étape 2. Demande alors en rencard. Humain! Moi, le grand papyrus, je vais aller faire un rencard avec toi. Et là, je mets un nom. Vraiment? Wow! Je suppose que ça veut dire que c'est l'heure de la partie 3. Étape 3. Enfiler des super vêtements pour montrer que vous en avez quelque chose à faire. Attends une seconde. Porter des vêtements? Ce pansement qui descend de toi? Tu es en train de porter des vêtements. En plus de ça, plutôt aujourd'hui, tu étais aussi en train de porter des vêtements. Non. Est-ce que ça pourrait? Tu voulais avoir un rencard depuis le début? Oui. Si tu veux. Non. Tu as tout planifié. Tu es vachement meilleur à moi au rencard que je ne le suis. Salut, le fusil, j'espère que tu es bien. Non. Ton pouvoir de rencard. Ne pense pas que tu m'as déjà battu. Moi, le grand papyrus. Je n'ai jamais été battu au rencard et je ne le serai jamais. Je peux facilement rester à ton niveau.
Tu vois, moi aussi je porte des vêtements. En fait, je porte toujours mes vêtements spéciaux. D'ailleurs mes vêtements classiques. Juste au cas où quelqu'un me demande un rencard. Sois prêt. Yeah. Qu'est-ce que tu penses de mon style secret? En vrai, j'ai grave envie de répondre que j'aime pas ça, mais je vais peut-être lui briser le cœur. Alors je vais dire I love it. Non! Un compliment! Cependant, tu ne comprends pas vraiment le vrai pouvoir secret de cet habillage. Ce que tu viens de dire est invalide. Ce rencard ne va pas aller plus loin. Avant que tu trouves, à moins que tu trouves mon secret, mais ça n'arrivera pas. Ce t-shirt ne disait pas à la base cool, mais je l'ai improvisé, je l'ai amélioré. Conseil d'expert, tous les vêtements peuvent être améliorés de cette manière. Tenir ma main comme ça, je pourrais dire la réponse. Non, je dois résister. Mon chapeau. Et dans ce cas-là, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai pas le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Tu sais ce que c'est? Je ne le sais pas. C'est vrai. Tu n'as aucune idée. Même s'il apparaît que c'est des spaghettis. Ce n'est pas n'importe quelle pâte. C'est un travail d'artisan. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, cuit par moi, maître le chef Papyrus, humain, il est temps d'en finir. Je vais les manger. Le goût est indescriptible. Quelle expression passionnée. Tu dois vraiment aimer ma cuisine. Et par extension, moi. Peut-être même plus que moi. Peut-être plus que moi, je ne t'aime toi. Oh. Oh. Oh non. Il va se m'habite. Humain, c'est clair maintenant. Tu es follement amoureux de moi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis a toujours été pour moi. Humain, je te veux heureux moi aussi. Il est temps pour moi de t'exprimer ce que je ressens. A plus, Vésias. Passe une bonne soirée et des bisous. Il est temps que je te dise. Ah, moi, Papyrus. Oh, il fait chaud ici ou c'est juste moi? Oh. Touché. Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas de la façon dont tu m'aimes moi. De manière romantique, je veux dire, j'ai essayé vraiment dur de... Je pense que c'est parce que tu as flirté avec moi que j'étais supposé avoir un rencard avec toi. Puis, pendant le rencard, mes sentiments n'auraient fait que putain, je sais ce que ça veut dire, Blossom. N'auraient fait que... Quand une fleur, elle fait quoi? Oh! J'en sais même plus parler, je sais même plus dire Blossom. Quel sac à merde. Enfin, ce serait épanoui comme une fleur, en fait. Voilà, genre... C'est pas ça, non? Ou le Blossom Forf, genre... éclos aurait éclos d'une plus belle manière. J'aurais été capable... d'avoir une passion pour toi, comme moi, comme toi, tu en as une pour moi. Voilà, c'est pas du tout ça, mais... Éclos, merci, mon cœur.
Mais au moins, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Je me sens juste comme avant. Et à la place, en ayant rencard avec toi, je t'ai seulement tiré vers le bas, plus profondément, dans ton intense amour pour moi. Une prison ténébreuse de passion, avec aucune échappatoire. Comment ai-je pu faire ça? Tout. À mon précieux ami? Non, attends, c'est faux. Je ne peux pas échouer à quoi que ce soit, humain. Je t'ai aidé. I help you through these trying times. Je t'aiderai à travers tous ces durs moments. Je serai encore un ami cool. Je resterai un ami cool. Et je les gérerai comme si rien ne s'était passé. Après tout, tu es vraiment génial. Ça serait tragique que l'on perde notre amitié. Donc s'il te plaît, ne pleure pas car je ne t'embrasserai pas. Parce que je n'ai même pas de lèvres. Un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi génial que moi. C'est de Manu, c'est très bien. Bon, en vrai, c'est pas vrai. Mais je te trouverai le second meilleur. Ah là, c'est hélas. Ah, my bad. Oh. Et si jamais un jour t'as besoin de me de me contacter, voici mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Platoniquement. Bien. Je vais y aller. Nihé. Donc je viens littéralement de voir un rencard avec un squelette. Oh, j'ai gagné 20 gold parce qu'il y avait des 20 gold qui traînaient par terre, quoi. Dafuk. Bon, mais pour YouTube, je vais faire une petite pause. On se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu et à partager la vidéo. C'était Adran et je vous dis ciao les gens.